Good morning, allez, Yiden, l'étude sera aujourd'hui le Lunishmat, Mori, Rabbi Shmuel, Ben Shlomo Zalman, Nissim Ben Ahuda, Sarah Batran Rachel, Shlomo Ben Esther, Risha Bat, Chaim, Nechemia, ainsi que de Fouat, Avraham, Mori Ben Rehout, Betor, Shalchol Israël. Si vous souhaitez aussi d'aider une prochaine étude de Mishnah, contactez les 5 minutes éternelles, nous étudions Masechet Horayot, Perek Gimel, Mishnah Zain, Haish Kodem la Isha le Achayot ul Hashiv Aveida, la Isha Kodemet la Ish Lexut, ou Lotzia mi Bet Hashevi. בזמן ששניהם עומדים לכלכלה, האיש קודם לאישה. On apprenait dans la Mishnah précédente des ordres de priorité entre différentes personnes, différentes situations, mitzvot. Il y avait une des règles de là-bas qui était « Kol mekudash mechavero kodem et chavero ». Tout celui qui est plus saint, plus qui a un rôle plus raffiné en l'honneur d'Hachem, alors il sera toujours prioritaire lorsqu'on doit choisir entre deux mitzvot. La Mishnah, maintenant, va être une application de cette règle, la Mishnah Zayin, en nous disant « Ha'ish kodem la'isha le'achayot ou le'achiyev aveda » L'homme est prioritaire sur la femme pour sa survie et pour lui rendre sa perte. Soit le'achayot, faire survivre. Imaginez, Rahman al-Islam, Hashem Yirachem, qu'on soit jamais confronté à une situation pareille, à avoir à choisir entre deux personnes, en sachant que l'un, lorsqu'on va le choisir, on va le sauver, et l'autre, on va laisser mourir. Lo alenu, c'est très, d'accord, je ne veux même pas penser à une situation pareille, mais en tout cas, la Mishnah en parle, donc on va en parler, tant mieux que mal. On a le choix maintenant entre sauver une seule personne. Il y a un homme ou une femme. L'autre, Chas v'Shalom, il doit rester dans le train en direction de Auschwitz. Qu'est-ce qu'on fait? La Mishnah m'enseigne, sauve l'homme, l'homme est prioritaire sur la femme. Pour quelle raison? Selon la même règle, celui qui a plus de mitzvot, il dévoile il dévoile mieux l'honneur d'Hachem sur terre, il a une fonction plus noble, il a un rôle quelque part plus raffiné, plus noble sur terre, et donc il a une fonction importante qu'on peut moins... il faut le prioritairement le sauver à lui avant de sauver l'autre. Bien sûr, si on peut sauver les autres, les deux, Inematov ou Manaim, bien évidemment, mais en tout cas, si on peut sauver qu'un, l'homme il est prioritaire. Pourquoi? Parce qu'il a plus imposé pour plus de mitzvot. L'homme doit accomplir toutes les mitzvot ponctuelles ou non, tandis que la femme n'est en général pas imposée d'accomplir les mitzvot ponctuelles, donc l'homme il est prioritaire. Selon ce principe, j'imagine, donc on sauvera le Kohen avant de sauver le Israël aussi. J'imagine, c'est plus précisé, mais c'est sûr qu'il faudrait que ce serait comme ça, quoi. D'accord? Donc l'homme, il représente Oléachiv Aveda, et aussi pour lui rendre sa perte. Soit, il y a une mitzvah de Hashavat Aveda, restituer une perte à celui qui l'a perdu. Si je vois dans la rue un objet, je dois le prendre et le rendre à son propriétaire. Si je sais que c'est l'objet de Réhouven, j'ai la mitzvah de le rendre à Réhouven. Je marche dans la rue maintenant, et je constate qu'il y a là-bas un objet qui appartient certainement à un homme, des tefilines, et un objet qui appartient, tefilines dans le camp. Imaginez, pas un chefetzkadosh, pas quelque chose de mitzvah, quelque chose de simple, mais quelque chose qui appartient certainement à un homme, ça peut être une montre d'homme ou une montre de femme. Maintenant, concrètement, je ne peux pas aller ramasser les deux, je suis bloqué. Si je peux aller ramasser les deux, bien sûr, j'ai deux mitzvot, donc j'ai ramassé les deux. Mais si je vais là, je ne vais plus pouvoir aller sauver l'autre. Et si je vais à l'autre, je ne vais plus pouvoir sauver l'un. Qu'est-ce que je dois décider de faire? Qu'est-ce que je dois choisir? Prioritairement, je restituerai la Aveda, la trouvaille, donc la perte, qui appartient à un homme, parce qu'on a une mitzvah, c'est-à-dire on a le selon la règle de priorité, donc on a une priorité à l'homme plus qu'à la femme. Par contre, il y a toutefois certaines situations où la femme elle est prioritaire pour la femme, où elle est prioritaire sur l'homme, qui sont Vaisha kodemet leish liksut ou lotia mibet hashevi. La femme est prioritaire sur l'homme, par contre, pour la vêtir, et même aussi, ça implique pour lui donner un manger, on va expliquer tout de suite pourquoi, pour la vêtir, et aussi, les hotziyam ibet hachevi, pour la faire sortir d'une maison de captivité. On commence avec, tout d'abord, c'est quoi l'iksout? Le nourrir. Certes, on a une mitzvah de distinguer l'homme par rapport à la femme, puisque l'homme, il a un rôle plus grand, mais d'un autre côté, la honte de la femme est plus forte. Elle a une dignité beaucoup plus raffinée. Kol Kvoda Bat Melech Pnima, la femme, elle reste à l'intérieur, elle est discrète, elle ne se montre pas. De ce fait, elle a une plus grande honte à
Si toutefois elle est pauvre, à partir taper aux portes pour obtenir sa parnassa, donc on préférera toujours donner à la femme avant de donner à l'homme. Qu'il s'agisse l'exout, pour lui donner des vêtements, pour la vêtir, prioritairement on donnera à la femme avant de donner à un homme. Si j'ai une certaine somme à donner maintenant, il y a deux pauvres qui viennent devant moi, un homme et une femme. Chacun doit marier son fils. Et il a besoin d'acheter un habit digne, puisque c'est le papa ou la maman de la Kala. Ouais, de deux mariages par exemple, je donnerai priorité à la femme plutôt qu'à l'homme. Parce que si déjà la femme elle est venue taper chez moi, alors on va éviter qu'elle aille taper encore chez d'autres voisins pour obtenir ce qu'elle veut. On laissera plutôt l'homme être mechazer à la ptachim, partir lui taper aux portes. Parce que sa honte elle est plus grande. Et idem aussi si elle était prise en captivité. S'il y a un homme pris en captivité et une femme prise en captivité, eh ben on se hâtera de d'abord libérer la femme avant l'homme, de peur bien évidemment qu'on abuse de la femme. Tandis que l'homme, en général, on ne va pas abuser de l'homme. Toutefois, bisman shehem sheshnem ondim lekal kala avec un kouf, donc pour se détériorer, c'est-à-dire l'homme a été pris en captivité avec des mzrob, chas v'shalom, ils vont faire des choses basses avec lui, d'accord, entre hommes. Ou bien, il y a une femme, ils vont faire des choses basses, ils vont violer la femme. Et donc ils vont violer soit l'homme, soit la femme. Qui je sauve? Eh bien, figurez-vous que la Mishnah enseigne cette fois-ci, Ha'ish Kodem Laisha, on sauvera l'homme avant la femme. Pour quelle raison cette fois-ci? C'est pas parce que l'homme est le prioritaire sur la femme, uniquement parce qu'il est plus kadosh, c'est pas du tout le sujet. C'est uniquement parce que la honte de l'homme d'avoir été violé par des hommes sera bien plus violente et rabaissante qu'une femme. Parce que finalement, une femme avec un homme, ça s'appelle Darko Shel Olam. Ils ont fait ça de manière normal, dans le sens du monde, un homme va avec une femme et pas avec un homme, tandis que si l'homme y ressort de là-bas, il va être bien plus gravement affecté, et donc dans ce cas-là, on va donner priorité à celui qui a le plus honte. Si je récapitule en fait l'ordre de la Mishnah me dit, tout d'abord, si on a un qui a honte et l'autre qui a pas honte, on va sauver celui qui a le moins de, c'est celui qui a le plus de honte de l'histoire, qu'il s'agisse même si on va faire des avérotes avec l'homme comme avec la femme, d'accord? Dans ce cas-là, on sauvera l'homme avant la femme. Ou encore, s'il s'agit de sauver un homme ou une femme, si la femme va avoir honte, tandis que l'homme ne va pas avoir honte parce qu'on ne va pas le violer, ou encore même donner à nourrir, les nourrir pour la tzedaka, donner priorité à la femme avant l'homme, comme ça la femme n'aura pas besoin de partir taper aux portes, c'est rabaissant pour une femme bien plus grave. Donc on donne d'abord, prioritairement, d'abord on va voir qui aura le plus honte, et on évite la honte. Une fois que maintenant les deux n'ont pas honte, alors on préférera toujours aider l'homme plutôt que la femme, étant donné que l'homme a, lui, un plus grand rôle, il accomplit plus de mitzvot par rapport à la femme. Bien sûr, on ne parle que du cas où je n'ai pas la possibilité d'aider les deux. Si je peux aider les deux, bien sûr, aider les deux, il n'y a même pas de question sur ça. Et c'est tout pour aujourd'hui. C'est une journée pleine de Hatzlacha. Kol Tuv Selah.